Cyril Hanouna, l'animateur de l'émission Touche pas à mon poste, a partagé avec la journaliste Céline Bait d'Harcourt qu'il avait eu un véritable coup de cœur pour Ségolène Royal lors de sa venue dans son émission. Suite à cette apparition, elle l'avait contacté pour le remercier et lui avait proposé une petite idée. Utiliser son émission pour expliquer des sujets politiques au plus grand public, y compris ceux qui ne s'intéressent pas forcément à la politique. Cyril Hanouna a accepté cette proposition, considérant que son public avait des intérêts variés autant pour la politique que pour la télé-réalité. Il a également révélé que c'est Ségolène Royal elle-même qui avait eu l'idée de la chronique et cela s'est déroulé autour du moment de la motion de censure. En ce qui concerne la rémunération de Ségolène Royal pour sa participation à l'émission, bien que Cyril Hanouna ait indiqué qu'il n'aimait pas discuter d'argent, il a mentionné qu'elle était rémunérée dans la fourchette habituelle des chroniqueurs, c'est-à-dire entre 300 et 500 euros l'émission. Il semble donc que Ségolène Royal soit prête à jouer un rôle actif dans l'émission, ce qui suscite de l'attente de la part du public et on verra très rapidement ce que cela donne. Ségolène Royal dans TPMP, c'est tout de même une arrivée un petit peu surprenante. Je ne sais pas ce que vous en pensez.